L'élection que tu as faite en 2010, qui vous mettez président en 2011, là, est-ce que c'est sous la loi 2008 là, le défait? Je m'en fous de quoi c'est. Non, l'autre loi que tu as faite. Puis ça va parler de lui et de 2008, je vais parler. Je vais parler de 2008, puisque 2008, il y a une clause qui n'a pas rien à voir avec la Constitution, qui voulait couper le mandat sénateur de 1 an et demi. Eh bien, si c'est ça qui fait précipiter la donne, et il y a un aïe devant eux. Mais quand il y a des dettes devant eux, ils ne comprennent pas qu'ils ont un pont pour traverser ou pas un côté pour traverser. C'est où ils ont fait bac. Ou les machines ont chaviré. De toute façon, la loi étoile 2008, là, si c'est allé, il y a deux problèmes. Dans la loi étoile 2008, il n'y a pas de prévoir, suivant sa constitution amendée, a dit les deux candidats affrontés, ça a gagné 25% en plus l'autre, là, ils ont tout gagné l'élection depuis le premier tour. Ça va dans la loi qui passe. Et deuxièmement, faire quota femme dans Liban loi qui passe. Quota fait élection avec une autre loi électorale, je ne même pas de 2008, je ne pas de loi électorale qui a fait élection présidentielle. La loi électorale qui a fait élection présidentielle, ce n'est pas la loi électorale 2008. Là. Donc, je ne pas qu'il de confusion là. Et si tu as fait élection à une loi qui existait déjà, maintenant, qui loi, il faut poser une question, qui loi qui d'application là? La loi qui d'application, c'est la loi qui a fait élection présidentielle qui met le président à la président. Je ne pense que c'est lui. La loi électorale 2008 a parlé, c'est lui-même qui a mis le sénateur, il voulait couper 1 an et demi dans le mandat. Donc, pour qui ça c'est de lui a parlé, il n'a pas pensé avec la loi qui se fait élection pour mettre président ou président. Le président va reprocher avec ça. Donc, même la presse, je dis à tout, j'ai un gros reproche pour la presse. Sénat a pris une décision pour être capable de faire une loi d'interprétation pour régulariser le conflit qui a gagné entre. Sa constitution dit, et article 231, loi électorale 2008 là. Eh bien, toute presse là, écrit dans la première ligne, Sénat pour une loi pour prolonger le mandat. Et moi-même, je crois, vous me dites, tout le monde qui dit Sénat pour une loi pour prolonger le mandat, il y a tout un complot pour caser le Sénat. Et me confirmer, moi dis et m'assumer. Maintenant, est-ce que c'est pas mes gardes que certaines presses disent ça ou bien c'est pas exprès? Et je ne sais pas si ce n'est pas mes gars, si ce n'est pas exprès, mais ce qui est clair, c'est que je pense que même presse de gars dit que le Sénat a une loi pour régulariser la situation et de conflit qui est entre la Constitution avec la loi électorale 2008. Je pense que c'est le plus bon comme ça. Que toute presse écrit que le Sénat a une loi pour prolonger le mandat. Le Sénat a une loi pour prolonger le mandat. Je dis ça 1 million de fois là, à les gens qui veulent attendre, à les gens qui acceptent attendre. La loi électorale qui a fait l'élection sénateur, son loi électorale qui votait en juillet 2008. Juillet 2008, loi ça a un article qui est l'article 85 qui dit tout sénateur élu pour 6 ans. Mandat sénateur ça a commencé, les prêté serment et mandat va fini dans 6e année, 2e lundi du mois janvier, qui a fait 6 ans. Bon, article 231 dans même loi qui dit élection qui va faire là au sénateur après de là jusqu'à 2014. Mais pas dit qui les élections ont fait. Élection malheureusement, puisque la loi a voté en 2008, juillet 2008, malheureusement, élection pas faite en 2008, élection vient faite juste en 2009. Et sénateur, ça a prêté seulement 4 septembre 2009. Puisque clairement, la Constitution dit que c'est 6 ans mandat tout sénateur, et c'est ça, article 85, même la loi a parlé, a dit, eh bien, si on prend 19 et 6, 15, mandat sénateur va finir en 2014, va finir en 2015. Puisque c'est une disposition transitoire qui te parle de ça. Eh bien, immédiatement, l'élection va être faite. La disposition transitoire, ça a tombé automatiquement. Ça a étonné, moi, l'homme de loi dans le pays. Il a fait silence sur la question. Ça, à part de quelques rares différences, de gens qui ont courage. Parce que je suis en train de Dr. Evans Bourgoin, je suis de Maître Février, je suis de Fisto Canton, je suis de d'autres encore qui ont courage pour dire que la disposition transitoire, ça n'a pas rien à voir avec sa constitution exigée. Donc, le mandat sénateur, il a fini. En 2015. Il a dû finir 4 septembre 2015. Sénateur de l'Union a sacrifié quelques mois pour accepter d'aller le 2e lundi de janvier 2015. Pour ça, pas de négociation sur lui, pas de route par bois, tout plan gagné, plan crasé, parlement, affaire bruit qui courir, que député majorité ont négocié déjà, ça fait pas le voter, loi Sénat a voté, tout bruit ça a couru là. Mais nous même dans le Sénat, nous ne pas ébranler. Nous avons une conviction qui ferme et inébranlable. Nous sommes des élus de la République et nous sommes des deuxièmes élus de la République. Pas qu'il y a aucun pouvoir qui est capable d'écouter le mandat ou bien prendre disposition de mettre fin à mandat de façon prématurée. C'est vrai, je me rappelle le président Matel une fois dit démocratie, pas gourmet avec démocratie.
Mais moi, je toujours voulu faire président songer. Dans l'esprit des lois de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, moi, je voulais mettre le public là en confiance. Sénat va faire un paquita, un panago, pas avant que le mandat prend fin et nous ne pouvons pas perdre un jour dans le mandat. Nous. Si nous perdons un jour dans le mandat, nous attendons que son événement politique, son chaos politique, et nous risquons de trouver nous dans une situation d'élection générale anticipée. Quand j'entends, par exemple, que ce soit à la radio ou à la télévision, j'entends que des journalistes, rapporteurs, journalistes qui ont dit que, oh oui, sénateur, et votons loi pour yo prolonger mandat yo. Or, vous savez que c'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. C'est tout simplement, on a voulu modifier une erreur. Moi, c'est l'erreur parce que une série de sénateurs, membres de l'ancien pouvoir, qui, bien sûr, contribuent à mettre le pays à côté de l'Ijodia, qui te fait des ordres, ça, ils fait des ordres amendements, ils fait des ordres CIRH, ils fait toute bonne vie des ordres, nous connaît, qui contribuent à mettre le pays à côté de l'IA, qui pourrait aller de mal en pire. Alors, next, ça, yo, eh bien, là, ils te voté loi, ça, ils ont voté presque en champignon et en champouel. Même j'en ai fait pour amendement. Donc, article 235 l'an passé, et puis, qui fait que jodi an là, nèg yo vin réveiller, yo rend yo compte que l'erreur était grave. Alors, nous autres en tant que parlementaires, seul le Parlement a le droit de modifier une loi. Alors moi, personnellement, j'avais proposé au président du Sénat que loi ça l'y modifier. Ou t'as capable de dire que c'est pour prolonger mandat? Non, c'est pas pour prolonger mandat. J'ai été élu il y a que quelques mois. Donc, m'a supposé mon mandat jusqu'en 2017. Donc, ça veut dire que si j'ai proposé ça, c'est parce que moi qui avais une erreur, c'était un problème qu'il fallait modifier. Maintenant, quand j'entends des journalistes présents dans la Cour et le Sénat toute la journée, et puis pour aller faire un reportage pour dire que le Sénat a voté une loi pour modifier, pour prolonger le mandat, j'ai dit que c'est méchant. Et c'est parfois aussi, ça frise. Au 235 l'a dit, ça a dit 235 l'a dit pour auditoire non capable de comprendre. Eh bien, l'idée est très claire. L'elle dit que, par exemple, un article qui dit que, le mandat du sénateur prend fin au dernier et au deuxième lundi de sixième année de son mandat. Bon, ça l'est très clair. Mais il y a l'autre qui te dit tout, c'est 131, par contre, qui s'allie de 135 ans, qui dit que le mandat a fini deuxième lundi 2014. Alors, maintenant, un côté l'idou deuxième lundi 2014, un l'autre côté l'idou sixième année de son mandat. Or, je viens de voir, par exemple, aujourd'hui est 8 août. Je dis à là, qu'il s'agit de Moïse Jean-Charles ou de Wenceslas Lambert, tout sénateur ça yo, jodi a fait yo exactement 4 ans depuis que était prêté serment. 4 ans, il était prêté serment comme sénateur. Donc ça veut dire ou pas capable parler pour dire que nèg là d'un côté constitution a dit nèg là élu pour 6 ans et puis ou même ou venir avec une cause que normalement il faut l'aller parce que le gouvernement li a cherché faire un désordre monumental parce qu'en fait ou pas capable faire erreur les fin nous voulait pour profiter des erreurs. Alors ça qui a passé là aujourd'hui hein, monsieur Matéli comme l'avait fait monsieur Préval d'ailleurs c'est même li monsieur était fait ça veut dire que li fait une série de désordres et puis il voulait profiter de désordre. Monsieur Matéli il a 2 ans sous pouvoir, il n'a pas organisé des élections. Matéam Dandil a dit que l'ité mettait conseil électoral, l'ité ceci, l'ité cela. Il bien connaît que c'était toute une fabrication bagayoté. Donc, il n'a pas organisé des élections. Donc, il veut profiter de ses erreurs à son bénéfice. Alors, à ce moment-là, j'ai dit que ça, c'est grave, c'est inacceptable.